Est-ce que tu penses que si j'avais voulu et que j'étais prêt à faire tous les sacrifices nécessaires, j'aurais pu réussir à aller loin dans ce sport? Non. C'est une chose qui n'arrivera jamais. Parfois, il vaut mieux rendre quelqu'un triste avec la vérité plutôt que le rendre content avec des mensonges. Je te dis, je m'en fous. Est-ce que tu vas dire encore quand t'en peux plus? Est-ce que tu vas le dire encore? Je dois arrêter la série tout de suite. Quand on parle du bodybuilding, tout doit être beau. Là, quand on te lance, tu souffres, c'est pas beau. Est-ce que t'es un champion? Bien sûr. Allez, on y va. Encore, 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 encore. Yo la jungle, nous sommes à Paris dans une rue, je sais pas où, mais on va voir le grand Essan NFC pour s'entraîner comme des monstres. Essan va me dire aujourd'hui si c'est possible pour moi, avec ma génétique de bulky daddy, de devenir bodybuilder professionnel. C'est pas mon objectif, mais si j'avais voulu le faire, est-ce que j'aurais pu le faire? On aura la réponse aujourd'hui. Dites-moi si vous aimez bien comment je suis sapé. D'habitude, je m'habille jamais comme ça, mais Essan, il aime bien les gens beaux, les gens qui s'habillent bien. Je sais pas si je suis beau, mais en tout cas, je ressemble à Conor McGregor. Mais ce qui est important, c'est que tu t'abonnes, qu'on s'approche des 200 000 abonnés et beaucoup d'entre vous regardent et s'abonnent pas. Et maintenant, on va voir Essan Baba. La jungle, moi, c'est la première fois que je vais voir Essan Baba dans la vraie vie. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Il était trop gentil avec moi dans les messages. Donc maintenant, on va voir dans la vraie vie. Imaginez, je débarque, il met un takedown. Est-ce que t'as déjà vu un Nelly Daddy dans un parking? En tout cas, là, l'équipe, on est arrivé. Et en vrai, aujourd'hui, je vais juste vous vlogger ce qu'on va faire, l'entraînement, les discussions. Depuis avant, je rigole, mais je pense que ça va être super enrichissant de discuter avec Essan dans la vraie vie, même pour moi et même pour vous. Et ça, c'est important. En vrai, je fais le mec civilisé, mais ça se voit que je suis un mec de la jungle, genre, tu vois. Franchement, j'espère que je vais assumer son entraînement. À chaque fois, quand je regardais les vidéos, ça m'avait l'air super intense, mais je me rends pas compte de la difficulté. Mais je pense que je vais quand même assumer. Comme ça, c'est là, je suis posé comme McGregor. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il paraît, il y a un vrai garçon qui a fait la route. Exactement, il y a un blanc. C'est Conor McGregor. Ça va, Essan? Tu vas bien? Tranquille. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Je vois que tu es super beau gosse. Pour, merci. Pour l'événement. Je voulais demander, tu valides ou? Qu'est-ce que je valide? Ton style? Tout. Validé, mon frère. Validé? Validé à 100%. C'est mon premier costume vraiment que j'ai acheté. D'accord. Je voulais être grave beau gosse. Pour l'occasion. D'accord, tu l'as jamais rigole. Mis avant. Ma sœur, elle s'est mariée, c'est pour ça. Ah, d'accord. Mais après, je me suis dit, ça, pour les grands événements, on le met, tu vois. Ah, donc ça, c'est un grand événement. Bah, pour moi, ouais. Écoute, c'est magnifique. Pour la jungle aussi. Pour la jungle aussi. Bonjour, la jungle, c'est comme ça que c'est tu ça. Les appelles? En plus, j'ai vu la salle, c'est vraiment la jungle ici, il y a des animaux et tout. J'ai vu un peu ton univers. Ouais. Donc, j'ai de la chance de pouvoir faire mes vidéos dans plusieurs salles à Paris. Donc, j'ai choisi celle-là qui correspond un peu plus à ton univers. C'est bien, mais ça me fait plaisir de te voir là en vrai, en dehors de la vidéo. Et t'as trop de charisme. Mon père, il avait raison. Là, je t'ai ramené un plat de mon pays d'origine, de Bosnie-Herzégovine. C'est moi qui l'a fait. Non, c'est pas vrai, c'est ma mère qui l'a fait. Ça se voit. Mais ça, c'est... parce que c'est bien fait. Hein. Et c'est ça s'appelle des bourrecs. Des bourrecs. Ouais. Et ça sent super bon. Merci maman, elle regarde la vidéo. Bien sûr. Merci maman, c'est très gentil. Merci pour ce geste très touchant. Je vais manger. Merci maman. Et je vais prendre sûrement beaucoup de plaisir à le manger. Ah, c'est sûr et certain. Est-ce que selon toi, j'aurais pu avoir le potentiel de faire une carrière dans le bodybuilding si c'était mon objectif par exemple? On va s'entraîner, après tu vas analyser, tu vas me dire ok, si j'étais prêt à faire tous ces sacrifices, est-ce que j'aurais pu ou est-ce que ça aurait été peine perdue, tu vois? Est-ce que la détermination à elle-même aurait suffi? Est-ce que tu serais un bodybuilder ou pas? Exactement. C'est ça la question. Est-ce que j'aurais pu devenir un bodybuilder pro vraiment connu et fort et tout ça? Et beau. Alors on va commencer par faire une séance. Ouais. Et je vais t'observer pendant l'entraînement. Ouais. Et je vais voir si éventuellement tu es fait pour ça ou pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme séance aujourd'hui? J'aimerais bien faire pec épaule. Je trouve que c'est mes deux points faibles. En fait, tu sais, moi, j'abandonnerai jamais cette idée d'avoir des pecs de ouf. Même si je crois que je suis pas fait pour avoir des pecs de ouf, mais j'ai toujours espoir que un jour, du jour au lendemain, boum, ça explose, tu vois. D'accord, c'est une chose qui n'arrivera jamais du jour au lendemain. Mais tu as raison d'y croire et d'être patient. De toute façon, tout objectif est atteignable avec détermination, bien sûr, travail, régularité. Et surtout beaucoup de patience. Tu as deux points faibles de retard, on va dire, pec, épaule. Mm-hmm. Donc, on va jamais travailler deux retards dans la même séance. Ça n'a pas de sens. Donc, on va faire les pectoraux. Et pour que la séance soit
un peu en rapport avec le titre de la vidéo. Est-ce que tu aurais pu être un bodybuilder ou pas? Tu sais qu'en ce moment, j'ai 4 athlètes professionnels qui se préparent pour leur prochaine compétition qui est le 9 juillet au Portugal. Ali, Stéphane, Régis et Philippe. Choisis un de ces athlètes. On va ensemble sur ma dernière conversation avec eux, dernier programme d'entraînement que je leur ai envoyé. Et ensuite, on fera sa séance de pectoraux. Donc, tu vas faire une séance de pec d'un bodybuilder professionnel. Bah, franchement, Stéphane, c'est mon gars sûr. Je vais aller avec Stéphane. Hein. Tu vas aller avec Stéphane? Ouais, j'aime trop Stéphane, moi. Stéphane, ne me fais pas regretter. Voici la séance pectoraux de Stéphane à 6 semaines de sa compétition, sachant que le programme d'entraînement change toutes les 3 semaines. Ça fait 2 semaines que Stéphane, il est sur cette séance de pectoraux. Tu vois qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes. Mais ma façon de travailler avec mes athlètes, plus on se rapproche d'une compétition, on est censé de réduire les glucides. Je ne fais pas ça pour préserver un maximum le volume. J'essaye de rester haut en calories. Par contre, je mets beaucoup d'intensité dans mes séances. On va faire sa séance. Tu me diras ce que tu en penses. Et ça me permettra aussi d'observer un petit peu ta façon de travailler. Ok. C'est une séance pour les bodybuilders professionnels que je vais adapter à ton niveau, notamment sur les charges, pour éviter que tu te blesses. Ok, ouais, c'est important. C'est parti? Ouais, c'est parti. On va commencer la séance par 3 séries de 15 répétitions écartées à la poulie basse. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je te démontre, oublie qu'il y a des caméras. Tu n'es pas là ni pour m'impressionner, ni pour impressionner ceux qui te regardent. Si la séance elle est difficile, tu me dis. Si tu veux t'arrêter, tu me dis aussi. L'idée, c'est que tu ne te blesses pas. Ok. D'accord? Tu n'as rien à me prouver. Ok. On est d'accord ou pas? Pas d'égo. On est là pour passer un bon moment et surtout pour que tu t'entraînes d'une façon différente. Ok. Tout simplement. Quand c'est difficile, quand on ne peut plus, tu me le dis. Ça marche. Allez, c'est parti. Avant de commencer ta série, il faut que tu sentes que tes pecs sont sous tension. Donc, tu peux avancer encore un peu. Parfait. Mange-toi légèrement. D'accord? Et là, tu ne bouges plus. Let's go. Appuie, appuie. Voilà, doucement. Appuie. Parfait. 3. Et 4. Et 5. Super. Et 6. Appuie, appuie. Voilà, c'est bien. Et 8. Parfait. 9. C'est bien. Pic de contraction à chaque répétition. Voilà, encore, encore, encore. Voilà, là, super. 5. Encore 5. 1. 6. Et 2. Encore. Et 3, encore 2, et 4, encore, garde, 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 contracte pendant 5 secondes, contracte avec toute ta force, 2, 3, c'est mou, encore, encore, relâche tout doucement, et pause. Ça fait mal de ouf. Parfait. Ça me choque en fait à quel point ça fait mal alors qu'il y a genre 5 kilos. La charge n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la bonne exécution et surtout la concentration pendant la séance. Si tu es concentré, même sans la charge, touche mes pecs. Touche là. Ouais. On est d'accord, regarde. Ouais. Tu sens la contraction? Ouais. Exactement. Ouais. Et vite, encore. 9, encore. 10, encore. 11, allez, encore 4. 1, appuie, appuie. Et 3, c'est bien. Et 4, allez, la cinquième. Reste en bas, reste en bas, reste en bas. Contracte avec toute ta force. Toute ta force. Bas les épaules, les pecs. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tout doucement, tout doucement, tout doucement. Lâche les poignets. Parfait. C'est un truc de fou. T'as fait que 2 séries pour l'instant. Ouais. Mais la séance n'a pas commencé encore. C'est quoi ça alors? Là tu te réveilles. Là c'est genre l'échauffement. Voilà, là tu commences à dire à tes muscles que aujourd'hui tu vas pas rigoler avec eux. Tu vas les préparer psychologiquement. Dernière série, c'est toujours la plus belle série. 10, allez encore 5, encore 5. 5 belles répétitions. Et 2. Et 3. Et 4. Alors encore une. Et 5. La tête haute. 4. 3. 2. 1. Relâche tout doucement. Tout doucement. Premier exercice
réussi. Mais là, on s'est concentré sur la bonne exécution, sur pic de contraction à chaque répétition. Et tu étais concentré durant toute la série. Et tu vois, si ces petits détails empilés les uns sur les autres qui font une grande différence sont respectés, la charge n'a pas tellement d'importance. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, plus tu t'entraînes, naturellement et logiquement, tu progresseras sur les charges. C'est vrai, même à la fin, je tremblais carrément. Et t'as vu quand je relâchais, quand tu disais relâche doucement, je sentais ici l'étirement. Ça, je le sens jamais d'habitude, tu sais, là où c'est attaché. Alors, si tu sens jamais ça, ouais, depuis tant que tu t'entraînes, ouais, il va falloir revoir vraiment le tout. Pas, je dirais ça alors autrement, je dirais, je le sens pas à ce point, tu vois. Voilà, c'est mieux. Tu préfères. Si tu sens pas du tout, ouais, c'est chaud. C'est qu'il faut que tu arrêtes la muscu et que tu te mettes au ping-pong peut-être. Non, MMA. Deuxième exercice, développer incliné avec la barre. En biceps avec développé incliné haltère, amplitude complète. Tu fais 9 répétitions pour développer incliné avec la barre. Tu enchaînes avec 11 répétitions pour développer incliné avec haltère. Arrivé à 11, tu décharges de 50% et tu continues tes répétitions jusqu'à l'échec. Ok, sur chaque série. Sur chaque série. On a 4 séries à faire, mais si tu veux bien, on va en faire que 2. Comme ça, tu seras capable au moins d'aller jusqu'au bout de la séance et expérimenter chaque exercice, chaque méthode et chaque technique d'entraînement. J'aurais pas pu, tu penses, si je faisais les 4? Je ne veux pas te sous-estimer, ouais, mais je ne pense pas. Ah ouais, oui. Mais tu sais que là, tu me mets au défi. Hein. Je te mets pas au défi, j'essaye de te protéger et ne pas prendre de risque de te blesser. Ok, c'est vrai, on a dit pas d'ego. Il s'agit d'un entraînement pour un bodybuilder professionnel, ouais, qui est Stéphane. Ouais. Qui a un niveau que tu connais déjà. Ouais, ok, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Une. Deux, super. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Alors encore. Huit. Et neuf, c'est bon. Là, c'est parfait. Tout droit. Amplitude complète. 3. Voilà. Appui à chaque rep. 4. Super. 5. 6. 7. 8. Allez, encore. 9. Tout doucement, tout doucement. 10. Allez, encore une. Et 11. Donc là, on est sur 14. Déchargé de moins 50%, on prend les haltères de 7 et on continue à l'échec. On ne compte plus. Donc, échec, c'est minimum 10 reps. Une, pas trop, pas, descends pas trop. Tu vas sur tes triceps, là c'est parfait. 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, et là on commence. On commence que maintenant. Une, allez. Deux. Trois. Quatre. Allez encore. Cinq. Six. Sept. Allez champion. Allez champion. Allez encore. Quand on peut plus, des demi-reps. Des demi-reps. Mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, super. Demi-reps. Demi-reps. Ce que tu peux. Ce que tu peux. Ce que tu peux. Super. La tête haute. Je t'en veux déjà, tu sais pourquoi? Je sais que je vais avoir des courbatures de ouf. Donc t'as pas à m'en vouloir, t'as à me remercier. C'est vrai. Bonne sensation. Ça va, mais mes pecs, ils sont morts. Mais ils sont énormes là, on dirait. T'as pas l'impression? Ah si, si, si. T'es flégon. Là, j'ai l'impression que mes pecs, ils ont apparu comme par magie. T'avais dit que c'était impossible, t'as vu que c'est possible. Tu vois, on n'a pas toujours raison. Après, tu sais, tu vas toujours entendre que les méthodes d'intensification ne marchent pas vraiment sur les débutants. Il faut avoir un certain niveau. Mais tu vois bien que, comme tu me dis, tu n'as jamais senti tes pecs comme ça. Je ne dis pas que c'est les seules méthodes qui fonctionnent. Je dis que le bodybuilding, c'est vaste. Personne ne peut dire mes méthodes sont les meilleures ou mes techniques sont les meilleures. On s'entraîne
12 mois par an. Et on est censé de varier ces entraînements. Donc on a assez de temps pour étudier, expérimenter les différentes méthodes. Okay. On ne peut jamais prétendre et dire ça, ça ne marche pas ou ça, ça marche. Celui qui dit ça dans le bodybuilding ou dans la musculation, il n'a rien compris. Mais est-ce que toi, tu recommanderais par exemple aux jeunes qui nous regardent et tout de tester cette séance? Bien évidemment, mais tester comme on est en train de faire. Ok. Des haltères de 14 kg, 7 ouais. kg, développé incliné, 20 kg. Je sens que tu peux pousser plus lourd. J'avoue, ouais. Mais je me dis que la séance, elle n'est pas encore terminée. C'est comme un coureur de marathon. Le plus important, c'est arriver jusqu'au bout. Comment gérer ton énergie pour terminer ta séance. Et donc, je sais que tu peux pousser plus lourd, mais je reste sur 20 kilos parce que je sais que tu as d'autres exercices derrière. Ok. Bien évidemment, pas un débutant. Il faut avoir un certain niveau quand même pour comprendre, maîtriser les exercices. Mais oui, bien sûr. Okay. Adapter les charges et voilà, c'est possible. 5, respire, respire. 6, voilà. 7. 8. 9. Là, parfait. 1. 2. 3. 4. 5. Super, t'as compris ce qu'il faut faire. Là, t'es dedans. Là, t'es dedans. Là. Allez, champion, jusqu'au bout. Encore. 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 Voilà, c'est bien, c'est bien. Des demi-reps, des demi-reps, des demi. Vraiment des demi. Des demi. Super. Super. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, champion. Voilà. Super. Tu peux poser. Les gars, c'est un délire. Hein. Comment ça peut faire aussi mal de squeeze comme ça dans le vide? Mais tu sais. Ça me fait très mal, très mal. Mais dès que je vois mon pump dans le miroir, je suis trop content là. C'est difficile, mais ça vaut le coup. Tu sais, Hassan, je suis le mec le plus sous-estimé du muscu game quand j'étais dans la muscu. Parce que là, je suis dans la MMA, tu connais. Sous-estimé par qui? Par les internautes, par les gens qui regardent. Ça, ça n'a pas d'importance. Ouais, est-ce que toi, pas... tu te sous-estimes? Franchement, je vais pas te mentir, je te dis honnêtement. À l'époque, je parle de à l'époque, ça veut dire il y a 5-6 mois, quand j'étais full muscu, bah ça me touchait des fois d'entendre des critiques et tout. Ouais, t'as des insertions moches ou des trucs comme ça. En fait, ce qui me frustrait, c'est que c'est des trucs que je pouvais pas forcément changer. Des fois, ça m'impactait et j'avais tendance à plus regarder les commentaires négatifs que positifs. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Mais là, aujourd'hui, je te dis, je m'en fous. Genre, je suis content, alhamdoulilah, du physique que j'ai. Et maintenant, je me concentre mieux sur les commentaires qui sont gentils que sur les commentaires méchants, je les regarde même pas. Bah écoute, tu as appuyé justement sur deux points qui sont très importants à évoquer. Je t'ai posé la question, tu étais sous-estimé par qui? Par les autres. Et comme tu étais sensible à ce que les gens disent, bah quelque part, ça t'atteignait. Mais peu importe ce que les gens pensent, le plus important, c'est d'y croire en ses capacités. Mais y croire, ça ne suffit pas. Il faut les renforcer tous les jours en travaillant dessus. Mais si tu restes sensible à ce que les gens disent, bah, les gens te veulent d'une couleur différente chaque jour. Aujourd'hui, tes pecs, ça ne va pas. Demain, c'est les épaules. Après, c'est les jambes. Après, c'est les mollets. Mais tu t'en sors plus. On a tous une génétique différente, une vitesse de progression différente. On possède tous des armes et des outils différents. Et on avance chacun avec ses forces, avec ses faiblesses et selon son objectif, sans se comparer à qui que ce soit. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, par exemple, en plus, toi qui coaches des athlètes professionnels avec les meilleurs physiques mondiaux, on va le dire, tu vois, genre Stéphane, c'est un très petit pourcentage, pas que en France, mais même mondial. Mais est-ce que toi aussi, ça t'arrive de te comparer quand tu vois des physiques, par exemple, sur Insta ou sur les réseaux en général? C'est-à-dire me comparer moi ou comparer mes athlètes? Non, te comparer toi, par exemple, pas forcément à tes athlètes. Ça peut être à tes athlètes ou ça peut être à un mec sur Insta aux États-Unis, genre Mike Thurston avec des gros pecs de latino, mais genre tu te regardes et tu te dis « Ah ouais, lui, il est comme ça », genre tu te compares ou... Ta question, elle est intéressante, mais il ne faut pas avoir une vision que musculation ou que sport. Gros pecs, gros bras, ça n'a aucune importance. Il faut regarder le sport, on va dire la musculation parce que c'est notre passion commune, comme une école de vie. Moi, je ne me compare à personne, ni dans le sport, ni dans la vie de tous les jours. Je me compare qu'à moi-même. Tous les jours, quand je me lève, je me regarde dans le miroir, je me dis
je veux être une meilleure version de moi-même et surtout, je veux durer dans le temps et je veux progresser chaque jour. Tu ne peux pas te comparer à qui que ce soit. Tu n'es pas au courant des détails de la vie de chacun, pas que dans c'est le vrai. Sport. Donc, la comparaison ne peut pas être juste. On n'a pas tous la même génétique dans le sport, dans le travail. On ne part pas tous du même endroit, même niveau, même moyen. Donc, se comparer à qui que ce soit, ce serait vraiment une mauvaise chose parce que ça peut créer que de la frustration. On va passer au troisième exercice, toujours en biceps. Écarté, incliné, haltère. En biceps avec écarté, pec deck. Une fois 15, plus 5, 5, 5. C'est-à-dire, on va faire 15 répétitions pour écarté, incliné, suivi de 5 répétitions pour écarté, pec deck. On décharge, encore 5 répétitions. On décharge, encore 5 répétitions. Donc, la partie pec deck, ça va être en dégressif. Tu n'es pas obligé de rapprocher tes bras. Ok. Là, tu n'as pas de centre de gravité. Là, okay. C'est parfait. On y va? Là, super. 2, super. 3, un peu plus. 4, là c'est parfait. Et 5, on repart sur 5, on y va. 1, super. Et 2, allez encore. Et 3, encore. Et 4, encore. Et 5, les 5 dernières. Allez, 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 encore, encore, encore. Du jus là, du jus là. T'as l'air fatigué. Allez, encore. 3. 4, la dernière. Et 5, super, pause. 3. 4, allez, encore. Et 5, lâche. Allez, les 5 dernières. 5 belles répétitions. Appuie, quand tu es au milieu, appuie. Voilà, 2. Et 3. Et 4. Cinquième, reste au milieu. Reste au milieu, reste au milieu. Lève la tête. Contracte, contracte. Pas les bras, les pecs. 5, 4, 3, 2, 1. Lâche. T'es parti de loin, t'es arrivé ici. Tu inspires beaucoup de gens. Là, maintenant, c'est quoi ton objectif de vie? Professionnel. Professionnel ou même dans la vie, même peut-être familial. Peut-être tu vas nous dire un truc qu'on ne sait pas, tu vois. Bah, on est des compétiteurs dans l'âme. Ouais. Donc toujours des nouveaux projets. Ouais. Apprendre, aller jusqu'au bout. Ouais. Se tromper, trébucher, commencer, ouais. Recommencer. Répétition, ouais. Répétition, répétition. Et je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Tant que Dieu m'accorde la santé. Ouais. Ça va être que ça. Là, tu es bien congestionné. Tu valides. Là, tu n'as pas fait la route pour rien. J'ai pas fait la route pour rien. Tout ce que je peux dire, c'est force à Stéphane qui doit faire ça. 6 par semaine. Plus cardio le matin et plus cardio après sa séance. Grosse force. Mais c'est un bodybuilder professionnel. Ouais, c'est son métier et c'est la voie qu'il a choisie. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire comme Stéphane. Quel que soit le métier qu'on fait, quel que soit le sport qu'on fait, si on a des ambitions d'aller plus loin, il faut faire exactement comme Stéphane. Il faut se mettre dans le dur. Faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire certaines choses que les autres ne font pas. C'est vrai. C'est là que tu fais la différence. C'est vrai, c'est puissant. Et je n'ai pas venu ici pour montrer que tu es fatigué. On est d'accord ou pas? Ouais. Tu as combien de reps à faire? 4. Tu vas m'en faire 6. Et tu vas me faire 6 belles répétitions. Si c'est très lourd pour toi, tu diminues et tu vas jusqu'au bout. Ok. 6 répétitions, ok? Vas-y, ouais. Allez, on y va. 1, voilà. 2. Et 3. Et 4. Voilà, je veux voir ça. Tu vois comment c'est propre. Et 5. Allez, encore. Super. Parfait. Pas de fatigue. Donne-moi 5 belles répétitions. Montre-moi la force sur cet exo. Allez, 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 on y va. Montre-moi la force sur cet exo. Allez, on y va. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Relâche, 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 relâche. Quand on parle du bodybuilding, tout doit être beau. Le bodybuilding est un art. Ce n'est pas que le physique. C'est aussi l'exécution, comment tu maîtrises
tes exercices. Là, quand on te demande, tu souffres, c'est pas beau. Mais c'est pas une impression. Je souffre vraiment là. Je sais que tu souffres. Si c'est dur, tu diminues la charge, mais une exécution doit être parfaite. Pas les épaules qui partent en arrière, les jambes qui se déplacent, tu ne penses plus à rentrer le ventre. Non. Garde ta position initiale et bouge jusqu'au bout. Alors, je vais augmenter légèrement la charge parce que tu t'es bien reposé. Et donne-moi 10 belles répétitions. Ok champion, concentre-toi. Tu pars quand tu peux. La tête haute. Voilà. Donne-moi 10 belles répétitions. Est-ce que tu es capable de me donner 10 belles répétitions? Bien sûr que je suis capable. Alors donne-moi 10 belles répétitions. On y va. Une, voilà. Un peu plus. Deux, encore. Trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et 7, allez encore. Et 8, allez encore. Et 9, allez encore une. Une rep pour moi et une rep pour toi, ça fait 12. Une. Et la dernière pour tes abonnés, comme un vrai garçon, on y va. Et 13. Super, relâche tout doucement. Parfait, lève-toi. Pars sur la contraction, une jambe en avant comme je t'ai montré, et tu croises. Tu croises, tu croises, tu croises, tu croises, monte, 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 monte. Et là, la tête haute. Et là, la tête haute. Et tu gardes le sourire. Oui, t'es un champion. Oui, c'est pas dur. Oui, c'est pas dur. Oui, t'aimes ce que tu fais. C'est toi qui maîtrises. Tu sais ce que tu fais. Tu sais pourquoi t'es là. Tu ne souffres pas. Voilà, champion. Encore, encore, encore. Plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Oui, c'est toi le plus fort. Oui, c'est toi le plus fort. Super. Là, ça me fait même plus mal. On dirait que j'ai même plus de pec. On dirait qu'il y a juste un petit pudding ici qui se squeeze. Est-ce que tu vas arrêter la séance ou tu vas aller jusqu'au bout? Moi, je vais aller jusqu'au bout de la séance. Bravo. Quatrième exo, développé couché avec la barre. En bicep avec développé couché halter, amplitude complète. C'est exactement ce qu'on a fait avec développé incliné la barre sur le deuxième exercice. En vrai, Essan, là, je suis déjà fucked up. Je me dis heureusement qu'on n'a pas fait 4 séries à chaque fois. Parce que tu avais raison, j'aurais pas tenu, faut dire la vérité. C'est aussi ça le rôle d'un entraîneur, à la fois de détecter le potentiel chez un athlète, mais aussi de comprendre de quoi un athlète est capable. C'est-à-dire que parfois, quand je vois que tu es capable de faire 3-4 répétitions supplémentaires sans te mettre en danger, j'hésite pas. Et parfois, même si je sais que tu dois faire 11 répétitions, si arrivé à la 7e ou 8e répétition, je sens que aller jusqu'au 11 peut te mettre en danger, je dois arrêter la série tout de suite. Et ça, c'est le rôle d'un entraîneur qui connaît parfaitement son métier et surtout qui connaît parfaitement son athlète ou son client s'il s'agit d'un coach de salle qui encadre un client, tout simplement. Ouais. Donc pour toi, la responsabilité, elle appartient quand même au coach, quoi. À partir du moment que tu prends un coach en salle, là, je ne parle pas du bodybuilding, le coach a beaucoup de responsabilités. Le rôle le plus important pour un coach, d'ailleurs, quand j'ai des petits séminaires ou des déplacements où il y a des coachs qui viennent, je leur dis toujours, votre rôle le plus important, c'est sécuriser. Le client, il est là pour travailler, il ne veut pas vous décevoir, on a tous un ego. Ouais. Chez certains un peu surdimensionnés, ouais. On va aller jusqu'au bout, on ne veut pas décevoir. Mais c'est à toi de détecter. Là, il faut arrêter. Ouais. Là, c'est risqué. Ouais, c'est ça, vrai. C'est le rôle d'un coach. 3, parfait. Exécution parfaite. 4, super. 5, bravo. 6, 7, 8. Allez, encore une. Et là, je t'accompagne pour poser la barre. Tu peux la poser en bas. Parfait. Et là, on compte au coup. À l'échec. Plus de rythme, plus de rythme. Pompe, allez, pompe, pompe, pompe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13. 14. Et encore ça. Encore ça. Des demi-reps, j'accepte. J'accepte les demi-reps. Super. Super. Et voilà. Tu maîtrises tes charges et surtout, t'es dedans. Vraiment, t'es concentré. J'essaie vraiment de penser à ce que tu m'as dit. La respiration et à pas être moche, tu vois. Alors, si tu veux bien, sur cet exercice, on va rester sur une série uniquement parce qu'on a encore deux exercices pour terminer la séance. On va faire une série aussi sur l'avant-dernier exo et une série sur le dernier exercice et la séance est terminée. Bon. Deux. 3, 4 et 5, les 5 derniers. 1, 2, 3, 4, la dernière. Allez, en beauté jusqu'au bout. Super. Voilà, parfait. Donc maintenant, quand tu travailles tes pectoraux, comme tu m'as parlé d'un rotard, essaye de te rappeler tout ce que je t'ai dit sur ta position, surtout placer tes omoplates, c'est très important ça. Plus tu places tes omoplates, plus tu y penses tout au long de la série, plus tu vas sentir tes pectoraux. Je t'avoue que ça, c'est un truc que j'ai du mal. Toute ma vie, j'ai eu du mal à coller les omoplates. Je peux les coller, mais les garder collés en même temps pousser, c'est dur. Enfin, c'est j'ai du mal. Tout le monde. Tu c'est penses pareil pour ah. tout le monde. C'est une habitude qui okay. s'installe. C'est comme quand tu te tiens toujours comme ça. Ouais. Tu vois? Il faut ouais. toujours penser à se redresser. Quand tu es devant la télé, quand tu marches, quand tu manges. On va dire la modernisation avec la société actuelle. Il y a beaucoup de pathologies, beaucoup de douleurs qui s'installent qu'on n'avait pas forcément auparavant. C'est vrai que tout le temps sur son téléphone pendant des heures accumulées sur des années. Ouais, ça tape. Dernier exo, écarté à la poulie. On va viser les bas des pecs et on enchaîne avec des pompes, pieds surélevés. 3 fois 15 plus échec. Ça veut dire 15 répétitions pour écarter à la poulie, suivi de autant de répétitions que tu peux, échec, pour les pompes, pieds surélevés. Merci mon gars. Continue tes vidéos. Merci, ça fait plaisir. Et là, en bas. Ok. Comme si tu faisais un posini à chaque répétition. Appuie en bas, appuie en bas. Oh, super. 7, 8, 9, 10, allez encore 5, 1, 2, 3, allez, juste encore 2, pause, et 7, et 8. Et dixième, tu restes en bas. Reste en bas. Contracte tes pecs. Encore. Est-ce que tu vas dire encore quand t'en peux plus? Est-ce que je t'ai entendu dire j'en peux plus? Non, je vais plus dire. Est-ce que tu vas le dire encore? Je vais plus dire. Alors reste encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Est-ce que tu vas le dire encore? Non. Lâche. C'est normal que je dis pas, t'as vu le coup de pression que tu m'as mis aussi. Allez, t'as pas fini encore. C'est bien. C'est bien. Mets les genoux par terre et continue. Est-ce que t'es un champion? Bien sûr. Allez, on y va. Super. Super. Bravo. Merci, Sam. Tu as été jusqu'au bout, avec force, avec honneur, la tête haute. Et c'est ça le plus important. Comment je suis content? Ah, moi aussi. Maintenant que tu m'as observé à l'œuvre, Sam, t'as bien vu que j'ai rien lâché quand même. Imagine
que moi j'étais pas youtubeur, que j'étais le même que je suis aujourd'hui, mais que j'étais venu te voir en te disant « Essan, s'il te plaît, fais-moi confiance, coach-moi, je vais faire tous les sacrifices nécessaires, je vais faire tout ce que tu dis à la lettre, je veux aller loin, par exemple, et devenir Mister Olympia ou être dans le top 5, tu vois. » Qu'est-ce que tu aurais répondu à cette personne? Tu aurais brisé ses rêves ou tu aurais fait quoi? Alors que tu sois youtubeur ou pas, ma réponse n'aurait pas changé. Il y a eu des youtubeurs qui sont venus me voir et je leur ai donné une réponse que j'aurais donnée même si ils n'étaient pas youtubeurs. Pour moi, si tu serais venu me voir, ma réponse aurait été négative. Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, on est des compétiteurs. Quand on fait quelque chose, c'est pour gagner. Je t'ai observé, j'ai vu ton physique. Ça aurait été difficile pour toi de devenir un bodybuilder professionnel. Pourquoi? Génétiquement déjà, même si la génétique ne fait pas tout, mais il y a des choses qu'on peut changer sur un corps, mais une morphologie, on ne peut pas faire grand-chose. Et malheureusement, le bodybuilding, c'est un sport qui dépend aussi d'une génétique de base. Ouais. Après, c'est pas parce que tu as une très bonne génétique que tout est facile. Ouais. Mais au moins, il y a la base, ouais. Et après, il faut la construire. Et toi, aujourd'hui, quand je te regarde t'entraîner, tu es très bon pour faire de la musculation, mais tu ne vas pas être doué pour faire du bodybuilding. Ok. Ah ouais, tu m'as brisé un rêve que j'avais même pas. Alors, tu sais, je t'ai pas brisé ton rêve. Imagine tous les gens qui me sollicitent tous les jours pour faire des compétitions. C'est vrai. Et aujourd'hui, depuis 2017, je suis avec les mêmes athlètes. Je n'ai pas compté, mais peut-être des centaines ou des milliers de personnes depuis 2017. Il y en a qui avaient le potentiel, je les ai encouragés en disant que voilà, moi, je n'avais pas forcément le temps, mais je t'encourage à poursuivre si tel est ton rêve. Et il y en a d'autres, malgré la motivation, je leur ai dit la vérité, ma vérité. Après, ça se trouve que je n'avais pas raison. Mais en tout cas, on m'a posé une question et j'ai répondu. Ok. Le plus important, c'est d'être sincère. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque beaucoup dans le milieu du bodybuilding, c'est la bienveillance. Parfois, il vaut mieux rendre quelqu'un triste avec la vérité plutôt que le rendre content avec des mensonges. Il faut dire toujours la vérité, quitte à briser un rêve. N'importe quel rêve, n'importe quel objectif doit être accompagné d'un certain réalisme. C'est la règle. Désolé de t'avoir brisé le rêve. Franchement ça va, parce que heureusement là on parlait pas de MMA, tu vois. Parce que là pour le MMA, j'ai des rêves. Tu m'aurais dit ça pour le MMA. Je crois que je serais allé taper au sac. Hein. On a tous des facilités pour tel ou tel sport. Ça se trouve que dans le MMA, tu seras beaucoup plus doué que dans le bodybuilding. Moi, je suis doué dans le bodybuilding, mais la natation, je nage, mais je ne suis pas un très très bon nageur. Ok. Je ne vais pas me noyer. Ok. Je ne suis pas un très fallait bon nageur. Fallait pas me dire ça. Pourtant, moi, je veux voir ça, moi. Et pourtant, ouais, il n'y a pas de souci. Mais pourtant, je me suis entraîné, ouais. J'adore nager. Ouais. Mais je ne suis pas doué. Et je suis conscient. Et je suis objectif. Je me suis entraîné. Mais je n'avais pas les mêmes facilités que quand je faisais du karaté. Okay. Ou quand je fais la musculation. Ou quand je fais du foot. Ou quand je faisais la lutte. Ok. C'est comme ça. Ah ouais, t'es bon lutteur. Ça ne se pose pas comme question à un Iranien. Un Iranien, il est né, il est lutteur. Tu veux essayer? Vas-y. Mais moi, je suis nul en lutte. Vas-y, viens, on essaye. Oh, il est vraiment chaud. Bah alors, écoutez. Non, tu sais quoi? Moi, je propose un truc. Vu que maintenant, je t'ai dit, j'ai commencé à faire du MMA, je pense que tu m'aurais fait faire un entraînement différent si la vidéo, c'était s'entraîner comme un combattant MMA. Je pense que tu m'aurais fait faire des trucs peut-être plus explosifs, ou je sais pas, un autre type d'entraînement. Ouais, un entraînement adapté au sport de combat. J'ai travaillé avec Chouk, qui est un très bon entraîneur à Paris. Il est assez réputé, Team Chouk. On a travaillé ensemble pour certains de ses athlètes et on a adapté les séances de musculation justement pour la boxe anglaise ou la boxe thaï. Et pour le MMA, bah, c'est pareil. Chaque entraînement, quand
tu es préparateur physique, tu dois être capable d'adapter et d'élaborer un programme d'entraînement selon l'athlète que tu as en face, selon les objectifs. Donc, si on doit faire un entraînement adapté au sport de combat, ça va pas être la même chose du tout. Ok, bah tu sais quoi, moi je veux qu'on fasse cet entraînement là. Vous savez quoi les gars, si cette vidéo elle fait 10 000 pouces bleus, je vous promets qu'on fera cet entraînement là ensemble. Tu vas m'entraîner comme un athlète de MMA, mais à Dubaï. Je viens à Dubaï. Défi lancé. Et en plus, on va faire un peu de lutte aussi pour voir. J'ai super fait. Rencontre, super personne. Mon papa Tarzan, il aime beaucoup Essan. Franchement, bah, ça fait grave plaisir. Juste, mon papa Tarzan, il galère à dire NFC. Il arrive à retenir Essan, mais retenir NFC, il a du mal. Bah, il retient le plus important. C'est vrai. Il regarde mes vidéos. Ouais, il regarde tes vidéos. Des fois, je suis posé, j'entends ta voix, je fais c'est Essan. Il dit, ah ouais, tu connais et tout. Bah, tu passes le bonjour à ton papa, tu ouais. Le remercies de ma part. Il s'appelle comment? Il s'appelle Avdia. Avdia, merci. Merci de regarder mes vidéos et félicitations. Vous avez un garçon remarquable, gentil et surtout bien éduqué et très poli. Et ça, ça vient des parents. Donc, je vous félicite. Franchement, ça fait plaisir. Bisous à mes parents et bisous à vous tous, la jungle. Et encore merci, Essan.